Oui, la sorcière. L'abominable sorcière doit être vaincue. Et notre roi vénéré accordera la main de la princesse, sa fille bien-aimée, au prince qui parviendra enfin à pénétrer dans le château de cette exécrable créature. Je rentrerai dans le château de la sorcière et j'épouserai la princesse. Bah. Je me demande comment c'est à l'intérieur. Personne n'est jamais parvenu à rentrer dans cette forteresse. Personne n'y parviendra jamais. Qui sait? Oh, mais c'est vrai! Il y a toi qui vas rentrer! La sorcière! Le prince! Oh, vous avez vu la taille de ce bélier? Ridicule. Eh bien, vas-y, tu feras mieux. Je ne suis pas encore prêt. Oh là là, comment arrive-t-il à porter un bélier de cette taille et tout en fer? En tout cas, celui-ci ne cassera pas. Dans 2 minutes, ils sont dans le château de la sorcière. Ça m'étonnerait. Prépare toujours activement l'attaque du château. Oui, j'observe. En attendant, il y en a qui ont la puissance et qui agissent. On n'a jamais vu de canon aussi gros. Pas encore allé m'attaquer le château de la sorcière? Pas encore. Je réfléchis. Celui-ci a trouvé. On ne peut pas démolir les murailles. Il pense par-dessus. Mais ce n'est pas possible. Château de la sorcière? Oh non! Je veux rentrer et je vais trouver le moyen. Trop tard! Le château va brûler. C'est idiot. Il s'agissait de le conquérir, pas de le détruire. Mais non! Le principal, c'est que la sorcière brûle avec. Thank you.
Après cet horrible cataclysme, plus personne ne va oser se présenter. Si. Moi. Quoi ? Attention ! Écartez-vous. Je pense que je vais rentrer dans le château. C'est la sorcière qui va être surprise. C'est qu'il est terriblement armé. Regardez le redoutable poignard qu'il porte. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il y va réellement ? Me fais pas l'idiot ! Reviens ! Non. Puis-je entrer ? À me demander la permission de rentrer chez moi. Je vous souhaite la bienvenue. Désirez-vous visiter mon château ? Oui. Nous arrivons à la bibliothèque. J'ai une très belle documentation. Des écrits et des dessins de tous les pays. Voici la salle de dessin où j'établis les plans de mes mécaniques. L'atelier d'où sortent les quelques machines que vous avez vues. J'ai capté quelques rivières souterraines pour faire tourner les moulins à eau. Voici mon jardin. Il reçoit le soleil qu'il faut grâce à un jeu de miroirs. J'y cultive quelques herbes très utiles. Des légumes aussi. J'adore la soupe aux poireaux. Ce lac est très utile contre les incendies, mais je l'utilise surtout pour l'agrément. Que c'est beau! Il n'y a pas d'attaque à craindre. Vous pourriez peut-être vous débarrasser de votre casque. Je ne m'attendais pas à une visite et je ne suis pas très bien coiffée. Non, non, ça vous va très bien. Que se passe-t-il ? C'est un système de sécurité qui me transmet les bruits de l'extérieur. Vous avez gagné la princesse et on vient vous chercher. Votre visite fut courte. Prince victorieux, le roi n'a qu'une parole. Et nous venons vous escorter jusqu'à la princesse, votre fiancée. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Il est pas haut ! Je remercie Sa Majesté le Roi et je présente mes respectueux hommages à la princesse. Que je n'épouserai pas. Je préfère la sorcière. Je reste avec elle.